Hello, bonjour à tous, c'est Gentil Dream, j'espère que vous allez bien. Nous sommes partis pour un nouvel épisode de Amazia et je suis en compagnie de mon ami Kitsu. T'as l'air en forme, mon Kiki. Salut tout le monde, c'est Kitsu. Donc, aujourd'hui, comme vous avez pu voir dans le titre, nous allons aller faire un petit tour dans le Nether. D'ailleurs, hop, je remets vite mon stuff. Petit tour dans le Nether parce que j'ai un petit peu de shopping à y faire, si je peux dire, Kitsu. Il me faudrait du quartz, il me faudrait des bâtons de blaze, des magma cream, enfin voilà, plein de petites choses en fait du Nether. D'accord, ok. Donc et voilà, comme je n'y suis pas encore allée, mais avant toute chose, je vais vous montrer quelques petits trucs que je ne vous ai pas encore montré, mais que j'avais fait en live. Donc première chose que j'ai faite, même en hors live, je pense, oui, en hors live, j'ai fait cet arbre custom. C'est pas le plus beau du monde, mais voilà, il a une forme un peu plus rigolote, mais je l'aime bien quand même. J'ai terminé mes petites échoppes. Voilà, les petites échoppes, voilà. Je les ai finies, je les aime bien. Peut-être mis à part celle-là. Oups, voilà, je fais des bêtises, tout va bien. Hop. On peut racheter des choses. Enfin, on peut obtenir des pièces, revendre des choses. Et il y a aussi quelque chose que je ne sais pas si je peux vous montrer maintenant. Donc, je ne vais pas prendre que je ne vais pas vous montrer maintenant. Mais Boubouna fait une petite construction bien spécifique pour notre village. Je vais pas trop en parler parce que si jamais il n'a pas encore montré un épisode de son côté, voilà, je veux pas trop spoiler. Aussi, je vais vous montrer autre chose que j'ai fait en live, c'est sur les abords de ma petite plage. What the fuck? Ok, c'est un petit mouton et un petit squelette là qui se promène là. En fait, j'ai passé mon temps à modifier un petit peu... Meurs toi créature. J'ai passé mon temps à, avec Boubouna, d'ailleurs merci Boubouna pour ton aide, à modifier un petit peu la plage. Donc on a mis des petits parasols, des petits trucs comme ça. On avait rajouté aussi des petits serveurs. Décoration avec des petites chaises, des petits pots comme ça. Ça va Kitsu, t'es où? Je t'ai perdu mon Kiki. Excuse-moi, j'étais parti chercher mon market pour ajouter à la légumière. Oh, d'accord, ok. Donc on a modifié un petit peu aussi avec des serveurs. Cette petite serveuse passe entre les tables. Là on a une serveur qui reste là, donc voilà, elle passe entre les tables à l'intérieur et à l'extérieur. Et donc voilà ce qu'il propose. Hop, je vais cliquer dans son lit, il propose tout la même chose. J'avais fait ça en live. En gros, vous cliquez sur le truc qu'il vous faut, ça vous retire automatiquement les pièces de votre inventaire. Donc voilà. Voilà. Des sushis. Bah, je vois creuse à la noix de coco, mais pour moi ça m'a l'air vraiment d'être des sushis en fait. Enfin bon. Aussi donc, Bouboune a fait les petites toilettes de la mur et je vous les montre. Parce qu'on n'a pas encore... Maintenant j'ai pas encore fait la déco en dessous du bar, je ferai peut-être sûrement ça aussi en live. Donc, toilette pour les femmes, fonctionnelle d'ailleurs, parce qu'on peut s'asseoir dedans. Et toilette... Oups, je saute sur les lits, ça va pas. Petite toilette pour les hommes avec les petits pissoirs. Je trouve ça vraiment bien fait. J'aime vraiment bien. Bouboune l'a laissé donner. D'ailleurs, il a fait son épisode. Donc, ok, Kitsu. Ok. Donc, oh, nous avons un client là. Monsieur, il va bien éclairer. Il faudra que je fasse peut-être attention que je revérifie un petit peu l'éclairage ici. Et donc, j'ai également fait une petite pergola dehors, ici, comme ça. Et alors, nous avons une autre serveuse qui vend les mêmes choses qu'à l'intérieur. Donc voilà, on peut s'asseoir sur les petits tabourets, enfin voilà, c'est vraiment très sympa. Bouboune a fait mes petits palmiers, c'est lui qui a fait tout ce qui est arbre. Moi j'ai rajouté un petit peu de décoration là, de petits trucs pour un petit peu habiller la plage. Voilà, j'aime bien. J'ai fait un petit PNJ aussi qui ne sert strictement à rien, qui est juste là pour le fun. Peut-être que je verrai pour lui mettre un petit son ou quoi, une petite guitare, je ne sais pas, je verrai bien. Donc voilà. Les amis, donc le but est d'aller dans le Nether. Je vous reprends bien là-bas. Kitsu, es-tu prêt? Kitsu, je t'appelais Kitsu. Kitsu, es-tu prêt? Le mec se cache. Allez, viens. Bon, je suppose que ça devrait aller. Attends, allons-y un par un, ne courons pas trop vite. Hein. Donc j'ai déjà été dans le Nether, les amis, c'est juste que j'y suis allée. La seule fois où j'y suis allée, c'était en hors caméra. D'ailleurs, je vais peut-être mettre un petit truc au portail ici. Hop, chemin vers le portail, hop. Je dirais que Alt est passé par là. T'en déconnes. Voilà. Bon bah, pour trouver un donjon, il faudra aller plus loin que ça. Bah, j'ai pas forcément de donjon en fait. J'ai juste besoin de... Tu veux des trucs de blaze, non?
Oui, aussi, oui, c'est vrai. Ah, écoute. On a besoin d'aller dans un donjon, non? Ouais, j'avoue, ouais, c'est vrai. Écoute. Est-ce que j'allais dire, c'est qu'on aurait dû prendre des fusées et des élytras? Moi, je vais pas avec des élytras ici, à moi. Personnellement, c'est beaucoup trop dangereux. Avec eux. À côté, je vise pas bien. Oh, petite joueuse, bah. Bah non, mais c'est juste que je fais attention. Bazaya! Je te rappelle Kitsu qu'on n'a pas de potion de résistance au feu. Hein. Bah, j'ai jamais eu de potion de résistance au feu. Allez, venez mes gros, allez. Oula mon pote, d'accord, on va essayer le petit. Ah zut. Ah j'aimerais bien faire retour à l'envoyeur là, ça pourrait être bien là. Tu dois viser un peu plus loin que lui s'il se déplace. Ah! Et utilise une pioche, ça marche plus mieux avec la pioche. Oh, pff, c'est kiff, tu sais, j'ai déjà réussi à le faire avec. Bon, écoute, c'est pas grave. Moi, mon but, c'est quand même d'avoir du quartz. On a des choses ici. Juste un truc. Hop. Wouah! Il te tire dessus, il te tire dessus. Mais tu vas te calmer, Michel, là! Mais je vise, mais mal! Je suis le gardien de la Dreams. Non, ça c'est gentil, Sakitsu. Allez viens, prends le bras. Wouah! A chaque fois il se décale ce bâtard. Non. Ah. Fuis, je dis fuis. Je suis en feu. Bah fuir pourquoi? Enfin c'est juste que... Parce que tu es en train de crever. Je suis léger. Non bah non ça va franchement j'ai une bonne... Mon armure est pas mal hein, ça va, j'ai pas trop de soucis à me faire avec ça. Et voilà. Tu l'as eu? Oh super. Ouais. Oh mais moi je suis le roi du retour of the Cedar hein. Nickel, Mitsu. Ce que vous savez pas c'est que moi je vais de temps en temps dans le nether en solo et je m'entraîne assez avec ça. Hein. Je joue au tennis contre eux. D'accord, il fait des... Kitsu en fait c'est Justine et Nain, tu vois. C'est le Justine et Nain de... avec les... Attends, il y en a un deuxième. Wouh. Oh mince. Il m'a mis le feu au cul, Michel! Il est en train de s'en aller dans la lave. Ah, super. Allez, deuxième! GG! Ah, mais attends, mais il spawn. C'est quoi cet endroit là? Il y a plein qui spawn là! Attends, je regarde si on a une larme. Parce que j'ai reçu une larme. Parce qu'on a la blinde qui spawn? Il est où? Il est sous la lave, en tel autre. D'accord, ok. Alors, est-ce que j'ai une lampe qui a popé? On ne dirait pas. Ouais. J'essaie de trouver un petit peu de quartz, donc. Il me faudrait du quartz, de quoi aussi faire les fameuses petites lampes, là. Enfin, tu sais bien. Ouais, je sais. Et glowstone, c'est ça? Ouais, voilà, de la glow, ouais, merci. Je ne trouvais pas le nom. Enfin, on devrait peut-être s'éloigner, parce que ici, le problème, c'est qu'il y a les maçons qui se passent par là. Ouais, bah écoute, ouais. On va aller par là. Bah oui, on va quand même utiliser quand même ce qu'ils nous ont aménagé, j'ai envie de dire, attends. Parce qu'il y a un autre truc. J'ai envie d'aller par là, Kitsu, regarde, par là. Attends, je te suis. Tu vois ce coin-là, ce trajet-là? Tu le sens bien? Ouais. Ok, je te suis. Ça m'a l'air d'être plus ou moins naturel, j'ai envie de dire. Plus ou moins. Récupère quelques champignons, c'est ça que j'allais creuser, je vais commencer à creuser. Voilà. Oh regarde, au-dessus de ta tête mon pote. Oh oui, on a un boss. Oh ouais. Il est gros celui-là. Ouais, j'avoue. Je vois qu'il y a le quartz moi qui m'a. Attends, moi je vais aller chercher parce que. Attends. Je vais aller chercher. Couvre-moi juste. Oh, ouais, je sens venir le fail là. Je dis ça, je dis rien, je sens venir le truc. Je te conseillerais peut-être de remonter et de creuser par l'intérieur. Non, ça va aller. Ok, mais sois prudent, hein. Prends ton temps. Oh non, t'inquiète, non, je prends bien mon temps. Je vais faire une plateforme pendant que tu poses.
Je suis en train de... Bah je creuse pas, je fais la plateforme comme ça. En mode connaissant, je vais agrandir ta plateforme de 2. Oh mais genre... Bah oui, d'un côté c'est vrai que t'as pas tort. Hein. Bah il est déjà arrivé cette situation dans un univers parallèle qui s'appelle TerraCube. Ça... C'était pas toi mais c'était moi. Ah d'accord. Pas de bloc de quartz, non, ça va. Attention, Kitsu! Wouah, putain, Kitsu! Je l'ai lu. Il te vise, toi. Ouais, c'est vrai que je vais te tomber. Attends, moi je me bouge! La plateforme, fais gaffe parce que Pascal, c'est la plateforme, bouge, toi-en! Putain! Ah, bien sûr, je me fonce. BAM! Dans ta face! Non! Il y avait deux larmes. Ah mince, bah écoute, désolé pour toi Kiki. Attends. Ça me ferait bien verser une larme. Je te dis. Ouais, coucou. Tout va bien. Donc, les amis, je vais prier tous les dieux que mon voisin ne fasse pas trop de bruit, mais voilà. C'est quelques minutes après avoir coupé le rec, on a trouvé une petite forteresse. Enfin, j'ai trouvé une petite forteresse. Et comme vous voyez, il y a des petits wizards qui sont là pour faire coucou pendant que mon voisin tape dans les murs, arrête Michel! Oh, c'est relou. Oh, ces petits effets de wizard là. Désolé les gars, désolé, je mettrai une petite musique épique par-dessus. Ah bah j'ai trouvé une entrée. Il y a une petite astuce, bien que tu le sais, comme le wizard ne fait qu'un certain nombre de mètres, il faut que tu bloques les accès. Oh bah écoute, t'inquiète pas, là les quelques-uns que j'ai défoncés, là, j'ai pas droppé une tête par hasard, mais ça serait trop beau. J'ai trouvé des Nether Wart. Ouais, je sais. Par contre, t'es pas près de moi. Bah oui, je suis de l'autre côté. Oh, elle est grande en fait. Ouais, mais elle est souterraine. Alors, je vais arriver vers toi. Des trucs, des cassures. Ouais, attends, moi ici je vois un petit peu de truc que je prends. Ça, je prends en dessous là. Coucou, joli, derrière toi. Mais je sais déjà ce que je vais mettre comme dans ma vidéo, tu vois, featuring Kitsu et le voisin, tu vois. Là, c'est n'importe quoi. Ouais. Je récupère. Oh là, on a un petit coffre là. Attends, je vais regarder dedans. Ah bah on a des lingots d'or, écoute, des lingots d'or, une armure de cheval et une selle. Si tu veux, je pourrais te donner. L'armure de cheval m'emballe pas des masses. Tu veux la selle? Moi j'en ai déjà des selles. Selle non, pas non plus, c'est... Ah ici on a quoi? Oh un weapon. Oh. T'as eu quoi chouchou? Un weapon case. Oh, j'ai chié. Attends. Allez, go. Ouais c'est bon, vas-y. Avoir. Ouh, elle est stylée, regarde ça. Alors, c'est Nar Spike, elle fait 1,6 de dégâts speed, 7 de dégâts, donc je crois que c'est aussi puissant qu'une épée... Ouais, c'est un peu... C'est presque aussi puissant que mon épée Sharpness 3 à Fire Aspect. Uh-huh. Elle a 9 de damage, et je pense qu'elle a un effet de soin, je sais pas. Ok. C'est bien. Ouais, je récupère mes trucs. Et en plus, elle est classe. J'avoue, elle déchire sa race. J'ai l'épée du sang. Ah mais c'est trop ça, quoi. C'est baigné dans le sang des sushis. Oh, pauvre petit. Ah, ici, il y a des selles, ici. Ouais, c'est là-dedans que j'ai trouvé. Ok, d'accord. Oui. Le mec, il est chaud. Ah, j'en ai marre de mes voisins, j'en ai marre de ma vie, les sushis. Bon, on va pas se battre du voisin tout le temps, je suis désolé les gars, c'est un petit boum boum. J'essaierai de mettre une petite musique sympathique par-dessus pour le couvrir au maximum. C'est pas agréable à vos petites oreilles. Entrez dans l'écoute là à vif, parce qu'on n'a pas de musique derrière, on l'entendra, mais si tu mets une petite musique, je pense qu'on l'entendra pas. Oh, un passage. Qu'est-ce que tu fais? C'est quoi ce cri ultra viril que tu viens de faire? Oh, bonjour monsieur Weezer. Au revoir, monsieur Weezer. C'est ça que j'allais dire, au revoir, monsieur Weezer. Ah, mais elle est immense, en fait. Ouais, j'ai juste bloqué les accès. Attends, moi, je vais me faire plaisir, moi, écoute. Je vais me prendre ma petite plantation, là, ma petite truc.
Non, ça va. J'ai adoré quand même ce petit cri viril que j'ai Ah, fait. mais c'était magnifique, hein. Écoute. Ah, c'est panique. C'était ultra viril, hein. Là, je crois que tu as donné vendu du rêve à tout le monde. Hein. Ouais. Ah, bah voilà, on a trouvé l'entrée du tunnel du Nether. Moi, là, ce que j'aimerais peut-être bien trouver, là, c'est des petites. Un petit truc de Blaze, là, un petit spawner à Blaze, ça pourrait être bien. J'ai trouvé le tunnel, donc je pense qu'on va le trouver là-bas. Tunnel ? Ouais, tu vas comprendre quand tu le verras. Je me permets juste de mettre mes Nether Quartz chez toi, je dis. Ouais. Je me permets. Comme tu as pris ton. J'ai looté une épée en pierre, tout va bien. Ouais, ça doit être le du Wither que j'ai tué, peut-être. Oh, j'ai eu trop peur. Je vais quand même garder mes trucs près de moi. Ouais, je comprends. Mais. Je vais courir en avant. Je pars déjà en éclairage. Mais t'es parti où là ? En éclairage. Tu pars en éclairage. Vas-y, en Michel. Éclairage. J'ai dit en tant qu'éclairage, j'ai dit. Tu continues le chemin, il y aura deux. Tu vas rencontrer deux pigmen et tout droit. I'm lost in you, hein. je sais pas où t'es parti. Hein. Ah, c'est déjà perdu. Je te dis. Oui, Michel. C'est ici. Attends deux secondes, je vais récupérer les autres trucs qui me restent. Ah, je l'ai, c'est bon. Je vais juste faire un truc. À l'entrée et la sortie du tunnel, je vais faire ça. Ah ouais, voilà, je vois. Attends, par contre, là, si tu vois ce que je veux lire, je n'ai point confiance en cette petit truc. Mince. On a la même idée. On a la même idée, sauf qu'on s'est fail tous les deux. Voilà. Donc, voilà, j'ai fait un petit. En réalité, je fais ça, moi, dans chaque passage. Si les wizards arrivent, ils sont bloqués, quoi. Ils sont kevlo. Voir ici. C'est bon, ça a l'air safe. C'est safe. T'es descendu ? Coucou. Oui, je suis descendu, il y a un ami. Ah, il y a un ami ? Un ami Wither ou un ami Blaze ? Un ami brûlant. Un ami Blaze, on va dire. Hop, allons-y. Alors, moi je vais essayer de bloquer le passage au Blaze. Il est où ? Elle est là. C'est un petit... Oh, wouh ! Oh, il y a pas que, il y a les deux en fait. Attends, parce que là, t'es mignon, mais tout. T'es mignon, mais là, on n'a pas accès, hein. Tu sais que c'est pas une bonne idée de faire ça. Attends. Tu sais qu'on va se prendre des dégâts pour rien. Enfin, pas des dégâts, mais qu'on va un petit peu se faire cramer. Pour... Bonjour. Ça va. Et sinon, les autres blagues sont là-dedans. Sont dans le trou fermé que j'ai. Voilà. Pas avoir peur comme ça, mon kiki. J'aurais peut-être bien voulu looter un petit truc, moi. J'aurais pas dit non à un petit. Ah bonjour monsieur Wither! Viens me faire un câlin mon pote! Allez Michel là! Viens là! Viens me faire des câlins! Désolé Nico, tu ne m'en voudras pas! Côté comme une bite. Waouh! Doucement mon pote. Wouh! Tu vises comme une bite. Waouh, moi aussi. Bon. Kitsu? Oui, je suis là. T'es où? Là où? Je t'entends juste pas parce que je suis près du spawner à Wither. Ah d'accord, il y a un spawner à Wither. Ouais. Non pas Wither. Les plein les Blaze. Ok. Bon là ici j'ai trouvé plein de trucs. Ah oh, bah GG. Plein de GG des trucs GG oh, super les trucs de. Petite frite. Oh, ça tire. Bien sûr, j'ai plus de torche. Trop pratique. Voilà.
seront obligés de passer par un passage pour sortir. Mais t'as trouvé un spawner où en fait? Bah tu vois où le passage que tu m'as croisé? Ouais. Il y en a plein. Ok, d'accord. Moi je ramasse la petite glow là qui traîne. Hop. Oh, c'est où que tu m'as dit? Ah ouais, c'est bon, j'ai vu. Bonjour. Ah ouais, avec de la glow, toi. Bah au moins tu les attends et t'as plus qu'à les taper. Oh merde, j'ai tapé un pigman! Attends, je me déco! J'ai tapé un pigman! Ah ça c'est con. Oh purée. Oh putain! Ça c'est vraiment con. Mais le con il se met devant mon épée aussi, mais il est con! Oh je vous jure! Il faut pas spam click, hein, je dis quand tu tapes à l'épée. Je sais, mais j'ai... Ça n'a rien à voir avec le spam click. Ah ok. J'ai quand même défoncé. Wouah! Mais Kitsu, par contre, c'était pas une bonne idée! Tire-toi! De se mettre. T'aurais pas dû mettre le truc comme ça en fait. Ouais, c'était vraiment pas une bonne idée qu'il soit en fait. Ouah, non. Ouais, t'as raison, je devrais faire un puits plutôt. Ouais, voilà, parce que c'était... Là, en fait, c'est juste pas possible de l'utiliser, là, en fait. Ok. Attends, hop. Bon, tu fais ça, moi, je vais juste un peu récupérer. Voilà. Laisse-moi, aïe. Ouais, voilà. Alors, comment je vais faire le puits comme ça? Hop. Voilà. Tu aurais quelques blocs de Netherrack pour moi? Bah écoute. Tiens, fais-toi plaisir, mon pote. Merci. Mais par contre, mettre de la glow comme ça, je sais pas si c'était une super idée, honnêtement. Ah ouais, donc pas. Tu vas creuser en dessous? Ouais, c'est ça. Voilà. Attends, retire-toi. Voilà. Non, comme ça, c'est bon. Recule, je dis. Que je dis parce que tu vas t'en prendre une. Voilà. Ah, y'a un bâton de blaze. Attends, y'a un bâton de blaze. Hop. Voilà. Pas que je voulais. Mais Tu laisses une ouverture comme ça. Faudra que j'essaie de trouver pour faire une. What? Faudra que j'essaie de trouver pour faire une petite ferme à blaze. Bonjour, au revoir. Bon, en fait, déjà, ça serait de rapprocher encore un petit peu, en fait. Non, tu vas voir, il va avancer. Hop, tire-toi. Non, c'est pas assez. Wouah! Bah, celle-là, elle est pas bien mise. J'en ai une autre, t'inquiète pas, viens sur moi. Mais non, c'est pas que de pas être bien mise, c'est juste que je pense, honnêtement, Kitsu, que faudrait peut-être juste ravancer dans... Ouais, voilà. Oh, bah, purée. De toute façon, mon but, c'était de base en avoir un. Juste pour faire mon alambic. Moi, c'était juste pour faire mon alambic, en fait, juste ça, en fait. Il dit pas que l'alambic, il a besoin de poudre aussi. Poudre de quoi? Bah, la poudre de blaze pour être alimenté. Just. Bah écoute, non, on va y rester. Non, écoute, ils sont là, on voit pas. J'en ai un autre pas loin qui. Bah écoute, qui, ça va, ok, je te suis. Juste que je retrouve le chemin. Ouais, c'est par là. Merci le voisin! Voilà. Je vais descendre par ici. T'es descendu là? Ouais, je suis descendu. Je sais pas où t'es. T'es là, ok. Pas où là? Là, y'en a un autre? Qu'est-ce que tu fais?
Là, je fais un passage pour les apporter, les attirer ici. Ils vont jamais venir, c'est beaucoup trop loin. Bonjour, au revoir. Aïe. Ils vont jamais venir, c'est beaucoup trop loin, Kitsu. C'est beaucoup... Ouais non, c'est beaucoup trop loin, ils vont jamais venir. Hein. J'y vais à la YOLO. C'est complètement pas sécure ce que je fais. Tiens, prends. Ah, j'en ai un deuxième. Encore un. Dès qu'ils spawnent, en fait, je les tape. En fait, j'ai pas envie de les laisser le temps de... C'est pas raisonnable, les gars, je le sais. C'est pas du tout safe comme technique, je le sais. Mais voilà. Aïe, je suis tombé dans un trou. Ah bah, Michel, c'est malin, hein. J'ai glissé, chef. Moi, j'en ai 3, là, de bâton. J'en ai 4. Essaye-moi d'avoir un quatrième. Ah, ça, il va en avoir un qui va arriver parce que ça tourne de plus en plus vite. Recule, je dis, parce qu'ils vont peut-être spawner sur toi. En fait, il faut prendre en compte que le truc il tourne. Ouais, on a looté. Bon, allez, on se casse. J'en ai 4, c'est bien comme ça. Attends, je bloque le passage quand même. C'est par où? C'est par où? Moi j'avais mis des torches. Bah, c'est par là, la sortie. Bon bah écoutez les amis, moi ce que je propose qui tout c'est qu'on mette fin à l'épisode. Ok. On va mettre fin à l'épisode, voilà, là c'est plus ou moins... Attends, il y en a un autre, il y en a un autre là-bas, viens. Il y en a un autre là-bas, qui ça va pas le faire. Voilà, ici là je pense que ça va. Dans les deux là. Viens là. Théo mon kiki, voilà, à côté de moi. Sécurité anti-wither. Voilà. Et ben voilà les amis, c'est ici que je vous laisse, on va tout doucement retourner. Dans l'Overworld, en tout cas j'espère que ce petit épisode vous aura plu. Si vous venez de me découvrir, n'hésitez pas à vous abonner, à activer la petite cloche pour être la petite clochette pour être prévenu des épisodes. Ah oui, Kitsu, tu pleures, mais c'est déjà la fin, c'est comme ça. Aussi à me suivre sur les réseaux sociaux aussi, parce que ben voilà, je suis très active sur ceci, sur Facebook, sur Twitter, sur Instagram, tout est en description de vidéo. Et à mettre un petit pouce bleu si ça vous a plu. Donc voilà, des gros bisous, prenez soin de vous et restez vous-même. Ciao ciao.